L'Église catholique romaine a toujours eu tendance à occulter les phénomènes qui touchent à l'exorcisme. À plus forte raison, le clergé n'a jamais autorisé qu'un exorcisme fait par l'un de ses membres soit filmé. Pour la première fois, une séance d'un grand exorcisme, pratiquée par un exorciste officiel, le Père Mathieu, a fait l'objet d'un document filmé. Ce document exceptionnel illustre un cas de possession démoniaque. Témoignage du docteur Sanchez, 47 ans, a assisté à plusieurs grands exorcismes du Père Mathieu. Lui seul a été autorisé à réaliser ce document. J'ai tourné ce film pour témoigner de l'existence réelle de Satan. Pour témoigner d'une manière irréfutable, au moment même où la plupart des gens, et malheureusement particulièrement le clergé, pensent que les exorcismes, que la possession démoniaque sont des choses d'un autre temps. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est d'actualité, et au moment même où je vous parle, il y a un plus grand nombre de possédés qu'il n'y en a jamais eu. Malheureusement, la plupart des gens actuellement, compte tenu du contexte ecclésiastique dans lequel nous vivons, ne croient plus à l'enfer, et ils ont bien tort. Et leur montrer un document que j'ai vécu, auquel j'ai assisté, qui m'a douloureusement touché parce qu'il s'agit d'un ami, était une chose unique. Ce n'est pas un montage, ce n'est pas une invention, c'est un fait que j'ai vécu tous les jours pendant plusieurs années, et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu le filmer, afin d'en donner témoignage à tous les gens qui auront la chance, et je dirais même mieux, la grâce de le voir. Voilà pourquoi j'ai voulu, entre autres choses, tourner ce film. Animaux tout ou c'est corporé? Tu pectorisus interna custodias, tu viscera regas, tu cor confirmes. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo. Voyez-vous, cet homme est arrivé, il avait 50 et quelques années. Il ne pratiquait pas, puisqu'il était et il faisait de la magie depuis l'âge de 6 ans. Et il a fait tout le mal qu'on peut faire quand on n'est pas chrétien. Eh bien, cet homme, il a vu toutes les messes de la création parce qu'il s'est converti, et à partir de sa conversion, il a eu mal dans le ventre. À l'absolution de ses fautes, il a pris mal dans le ventre. Alors, il a vu tous les messes qu'il a pu, et finalement, on lui a dit, mais écoutez, il faut voir un prêtre, c'est, il a fait autrement. Alors, il a obtempéré, n'est-ce pas? Il a cherché, et puis alors on lui a dit, mais prenez la direction de Besançon. Il est venu. Voilà. Toi, tu m'as eu raconté son histoire. Je n'ai pas hésité pour penser qu'il était possédé. Ça ne pourrait pas. Alors, je l'ai commencé, j'ai commencé les exercices. Et ça s'est avéré au bout d'au moins 20 exorcismes avant que Satan se dévoile. Et alors, quand il s'est dévoilé, ben, c'était la bagarre. Et la bagarre avec des témoins, avec tout ce qu'il fallait, quoi. Mais c'était plus longtemps. Inac lacrimarum valle. Potestate mit agite in genam. Regia ergo advocata nostra. Illos tuos misericordes oculos an nostra. Omnem virtutem inimici. Et nihil vobis nocebit. Verum tamen in hoc nolite gaudere, qua spiritus vobis subiciuntur, gaudete tem con nomina vestra scripta sunt in celis. Imperatibi
Fides sanctorum apostolorum Petri et Pauli et ceterorum sanctorum. Imperatibi martyrum sanguis. Imperatibi continentia confessorum. Exorcismo. On me demande parfois pourquoi je parle latin. C'est parce que les gens ne savent pas. Oui, mais alors quel intérêt y a-t-il? L'intérêt, c'est que ça attend que quelqu'un me réponde en latin, alors qu'elle ne le sait pas. Et à ce moment-là, il y a autre chose, comprenez-vous? Et ainsi de suite, il y a des... Mais il vous répond quoi, Satan? Mais il me répond à la question que je pose. Et quelles sont les questions que vous posez? Ben, par exemple, dis-moi ton nom. Non. Dic Miki Nomentum, c'est pas ce que ça veut dire. Réponds non. C'est clair. Comprenez-vous? Et pour tout, c'est comme ça. Salaud. Ah, c'est pas mon ami. In nomine sanctissime Trinitatis. C'est pas mon ami. J'en suis heureux. In nomine sanctissime Trinitatis. J'ai une religieuse. Une religieuse que m'avait envoyé un évêque, qui m'a répondu, quand je lui ai demandé « Dic Miki Nomentum », m'a répondu « Lucifer ». Lucifer. Je vous assure qu'à ce moment-là, on a un petit frisson dans le dos. Parce qu'évidemment, on s'attaque par conséquent au patron. Mais c'est pas rigolo. Ça fait peur? C'est-à-dire qu'on est dans la sécurité parce que, malgré tout, nous savons que l'Église nous donne tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Mais malgré tout, vous savez, quand on manie ces armes-là, quand on a un ennemi qu'on ne voit pas, on l'entend quelquefois, bien sûr, on voit les conséquences de sa présence par les contorsions du corps de la malade, du malade ou de la malade, n'est-ce pas? Ah, oh, ben bien sûr, ou bien il ne bouge pas. C'est la catalepsie, absolument. Il ne peut ni bouger, ni... On ne peut pas lui remuer le doigt, on ne peut pas s'en remuer tout le corps. Vous voyez, ça dépend. Il n'y a pas un cas pareil. En face des genoux, de l'autre côté des genoux, pour voir si les jambes plient. C'est la table qui s'en va. C'est la table qui monte. C'est la table qui monte. J'ai pu observer par ailleurs, toujours pendant ces exorcismes-là, que des modifications corporelles se produisaient. Par exemple, les muscles n'étaient plus des muscles, c'était de la pierre. Je n'enlève qu'un à la fois et les deux outils viennent ensemble. Et cet état-là était en relation directe avec l'exorcisme et pas autre chose, puisque lorsque l'exorcisme était terminé, il redevenait un homme normal, ou en tout cas apparemment normal, comme tout le monde. Notre-Dame de Fatima, viens à notre secours. Les sangles que vous voyez... et qui sont extrêmement robustes, puisqu'il s'agit de cuir et qu'il a 3 mm d'épaisseur, sont là de manière à contrecarrer l'action explosive du démon. Pendant les exorcismes, en effet, le procédé que vous voyez là a une force absolument surhumaine, à tel point que plusieurs hommes n'arrivent pas à le maîtriser sur cette table. Pour cette raison, les sangles sont destinés à l'y maintenir. Voilà pourquoi il est sanglé. Et il est sanglé aussi parce que on craint que certains gestes inattendus puissent blesser aussi l'entourage. Ce n'est pas à écarter. Sors de cet homme! Jago! Sors de cet homme! Je te l'ordonne, mon ami Christ! Sors de cet homme, in nomine Patris, et puis,
Mon Dieu, délivre André. Mais accorde à tes enfants cette grande grâce pour leur montrer combien tu peux être aimé comme un frère avec nos cœurs d'enfants. Père, exauce-nous. Je peux vous assurer que je ne me doutais pas un instant des ruses extraordinaires qu'utilisait le diable pour arriver à ses fins. Salve Regina. Et il ne faut pas croire, en voyant ces images, qu'il s'agit du possédé lui-même. Le possédé est absolument inconscient. Il ignore tout ce qui se passe, il est parfaitement inconscient. Son corps qui devient comme de la pierre, qui pèse des tonnes, les grimaces qu'il fait, ses yeux injectés, ses rictus, ses crachats qu'il envoie au visage des prêtres, il est absolument inconscient de tout cela. Et c'est le diable qui le fait en se servant du corps du possédé. Par conséquent, le corps du possédé est entièrement sous sa domination et s'exprime à la place du diable. Et d'ailleurs, pendant les exorcismes, je peux vous assurer que les gens qui l'entourent ont peur. Le seul qui n'a pas peur, c'est le père Mathieu. Alors pourtant qu'il voit à travers ses yeux, pendant l'exorcisme, les flammes de l'enfer. Ce n'est pas une image. Il le voit vraiment comme s'il y était. Terreur des démons. Terreur des démons. Notre-Dame du Rosaire, délivrez votre enfant. Chassez Satan du corps de votre enfant. Par le sacerdoce du Christ, Satan, sors de cet homme. Père, chassez le démon pour toujours. Repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour perdre les âmes. Pendant un siècle, on a récité cette prière de la part de l'Église. Et on l'a supprimée. Pourquoi? Parce que Satan en avait marre. Et c'est lui qui a obtenu ça. Satan s'est arrangé pour pouvoir faire disparaître toute lutte, toute résistance contre lui. La plus belle ruse du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas, soulignait Baudelaire. Mais à la fin du XXe siècle, peut-on encore croire au diable? Une question d'actualité. À un moment où l'on assiste à un regain d'intérêt pour les sciences occultes et la parapsychologie. À la lumière des acquis de la psychanalyse, l'Église a évolué. Elle ne veut plus réduire Satan à une image d'Épinal. Pourtant, l'Église catholique continue à nommer secrètement des exorcistes officiels, même s'ils sont de moins en moins nombreux. Parce qu'on ne veut pas faire du mal à Satan. Ou plus exactement, on n'y croit plus. Alors on ne se bat pas contre celui qu'on ne connaît pas. Pas possible ça. C'est peut-être pour ça qu'il fait tant de mal. Oui. Mais vous, Père Mathieu, vous l'avez rencontré, Satan? Oui. Je peux le dire. Je peux le dire. Quelle impression ça fait? Ça ne fait pas rire. Mais d'un autre côté, il ne faut pas avoir peur. Car un enfant qui ne quitte pas sa mère peut être défendu par elle comme si c'était une lionne qui défend son petit.
la Sainte Vierge défend son enfant. Dans l'exorcisme, si on est en règle, on ne doit pas avoir peur, on ne peut pas avoir peur, car tout de même, il y a l'amour divin entre Satan et l'enfant que nous sommes. Les anges, saints anges, venez au secours d'André. Les anges. Chassez le démon pour toujours. À 84 ans, le père Mathieu continue son combat, corps à corps, avec le prince des ténèbres, inexorablement, envers et contre tous. Satan, sors de cet homme. Je ne m'arrêterai qu'à l'heure de ma mort, quand le bon Dieu le voudra, c'est tout. Je ne veux pas, moi, me soustraire à mes obligations sacerdotales. Je suis prêtre pour ça.